Bonjour à tous. Finally, we made it. Yay! So I don't go into details, but the software that I'm using had reached apparently its API streaming limit. So I had to wait until, almost midnight Pacific time. So this is the reason why now. We are there. I hope you're good. So we'll change. I will have to adapt the time when we'll have the lesson. So basically, as you can see, we'll go back to almost the same time. But let's see that. We'll see exactly how we'll do it. I think that I am so upset now that I want to work a lot. Bon, I hope you're ready. We will start the usual way. And if you can see, let's see, like that, voilà, the usual one. So, à vous la parole, and I would like you to tell me, à quoi pensez-vous en voyant cette photo? Allez-y. So for the new persons, remember that the way we do it, you write your sentence in French, obviously, in in the chat section, and after that I will correct it. Merci. Donc, bonjour Papillon 97, bonjour Maris, bonjour Mahmoud, bonjour Azad, bonjour Alexis, bonjour Meron, bonjour Selkouk, bonjour Salifou, bonjour RealSave, bonjour HBird, bonjour Alejandro, Berila, bonjour Finzark, bonjour Svetlana, bonjour Save the Best, vous êtes là, bonjour Michel Rémy, vous êtes là aussi, I Just Called, vous êtes là Akanska, I'm always struggling, I'm sorry, bonjour and Salifou, bonjour. So you can start with this exercise. I hope to read you soon now. Alors, Maris Flores, il faut être un petit peu plus généreuse. I would like you to make some sentences. Hein? This is the idea. The idea is that, I mean, I'm here to help you to build your sentences, okay? So it's not like a quiz, but it's really try to structure some sentences. Très bien. Alors, HBird is saying, je pense de l'été. So the important thing, HBird, when you look at my questions, in fact, you have quite many informations, because now you can see that when I'm starting the question, I am starting the question with a. À quoi? So now you know that I am using the preposition à. So it means that the verb penser will be constructed with à. Okay, so in your sentence, je pense, and then you don't put de, you put à, okay? Je pense à l'été. Très bien. Alors ensuite, je pense à mon frère. Ouais, faites attention. Japon, c'est masculin. And sorry, I forgot your name, so it will be it will be challenging to. You told me, I remember a while ago, but I forgot your name. So when you say je pense à mon frère au Japon, remember Japon, it's a masculine country. So the preposition should be au, d'accord. Il les aime, c'était parfait. Akanksha, je veux manger les fraises, d'accord, c'était parfait. Finzark, je pense que les fraises, ouais, faites attention Finzark, les fraises c'est pluriel, ok, it's a plural thing, so it should be son, S-O-N-T, and then after that, remember, délicieuse, délicieuse, c'était bien. Papillon, je vous, non, je ne vous ignore pas, où êtes-vous Papillon? Je pense aux propositions de pronoms, alors pronoms avec un S, C-O-D-C-O-I, dans une phrase féminin avec un verbe
E à la fin, réflexive. Nous ne sommes. Alors attendez, nous ne sommes pas vous fatigués avec nos questions. Nous ne vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous ne vous avons pas fatigués. Nous ne vous avons pas fatigués avec nos questions. Voilà, papillon. Je ne vous ignore pas. Paolo, elle, nous dit, je pense au marché avec des fruits et les. Ah, et des légumes, très bien, Paolo, merci beaucoup. Svetlana, ah, la fraise et mon bonheur, très bien, parfait, Svetlana. Michel, bonjour Michel, désolé pour les problèmes techniques, vraiment désolé, mais je suis là maintenant et j'y suis, j'y reste, comme on dit. Je pense au yaourt glacé aux fraises comme mon dessert préféré. Très bien. Alors vous écrivez yogourt, on peut aussi dire yaourt, hein. En général, maintenant on utilise plutôt yaourt, souvenez-vous. Finzark nous dit, je pense à la couleur rouge. Faites attention, Finzark, couleur C-O-U-L-E-U-R. D'accord, couleur rouge. I just called nous dit, je pense quel rouge. Alors faites attention, I just called, je pense que le rouge. Ok, so I think that. Je pense que, and after that you continue, le rouge est joli. Souvenez-vous, le rouge c'est masculin, donc joli. No, in the end. Joli. Merci. Salifou, je pense qu'il a été occupé. qui? Alors, Michel Rémy nous dit, ses fruits, fraises, j'adore beaucoup. Oui, alors, you don't need to put fruit, in fact. Hein? You want to say ses fraises. Remember, in that case, when you say c'est, it's not the verb, hein, but it's the demonstrative. So, c-e-s. And you should put fraise in the plural form. Save the best. Je pense, ouais, faites attention, printemps, save the best, c'est masculin. D'accord? And because it's masculine, in that case, you will combine a and le, and you get. Oh, d'accord. Donc je pense au printemps qui, because it's the subject in the next sentence, basically it's the subject of the verb venir, so you should put qui vient. Je pense au printemps qui vient. Très bien, Cosmina Bellou nous dit, je pense à la joie de vivre. Merci Cosmina, toujours une petite phrase sympathique. Merci beaucoup. Save the best, printemps, effectivement. Yeah. It was properly written in your autocorrection thing. Finzark, couleur, merci beaucoup aussi. Alors, Méron nous dit, je pense que c'est une expression d'amour. Mon Dieu, Méron, vous êtes romantique. Michel nous dit, je pense aux fraises avec du yaourt glacé, ce qui est vraiment formidable. Je l'adore comme mon dessert préféré. Ça, on l'avait déjà. Berilla, j'aime vraiment les fraises sucrées. Magnifique. Surtout, alors attention, fraises, c'est féminin. Quand elles sont chaudes, and you should put the feminine form, chaude, Chaudes. Très bien. Omar qui nous dit, je rappelle les Smurfs. Alors faites attention, Omar, because in French we don't use Smurf. En français, on utilise les Schtroumpfs. Ok, and be careful because rappeler, in that case, you should use it in a different structure. Ça me, with the pronoun, rappelle. So it reminds me. Ça me rappelle les Schtroumpfs. Très bien. je ne sais pas pourquoi, Omar, mais pourquoi pas finalement. Alors ensuite, Michel, je suis content que nous. Alors attention, Michel. Il faut mettre un petit subjonctif. Soyons tous ensemble maintenant. Merci de ton travail dur, Vincent. Mais je vous en prie, mais le problème technique, là, c'est. Et cette fois, c'était vraiment pas ma faute. Émilie nous dit, cette photo me fait penser au jardin de mon arrière-grand-père, car il était toujours plein de fruits et de légumes délicieux, et je l'adorais quand j'étais tout petit. Émilie, il faudrait mettre le féminin, s'il vous plaît. Toute petite, d'accord? Très bien. Alors ensuite, save the best, je pense au printemps. Qui? Be careful, it's not que. Save the best, it's qui, because in the next portion, so it's the subject of the verb venir. D'accord? This is what we call
pronom relatif. You can have a look at the videos. I've been making some quite precise videos on this topic. Yaourt Michel, oui, c'est comme ça. Alors, Salifou nous dit que je pense que les fraises... Faites attention, Salifou. Pluriel, sont... Not a, but son. Rouge with the S in the end. Très bien. Alors, thank you very much for the... Okay, I will finish that. And after that, we'll start the lesson. Because clearly, we have a lot of exercises. Je pense au printemps, nous dit Rohit. Oui, pas de problème. Aîné nous dit, j'aime beaucoup cette couleur. Be careful. Aîné, couleur, you write it. C-O-U. L-E-U-R, d'accord? And remember, when you go with the c'est très, you should put the masculine form. Hein? With c'est, it will be always masculine, even if it refers to une couleur. It's a feminine word, but you using the c'est structure, it will be with the masculine. So, joli, J-O-L-I, ok? Arpan nous dit, je pense que ces fraises, with the S in the end, Arpan, sont très douces, je les veux, très bien. Sohail nous dit, bonjour monsieur, bonjour Sohail. So now you can join for the next exercise and let's have a look at it. So we'll see few adverbs of manner and of course we're starting right now. Look at that and try to write, please, in the chat, how would you translate this more and more into French. On y va. Alors, vous commencez à répondre, j'attends un petit peu. Svetlana qui dit « je ne sais pas ». Remember, it's S-A-I-S, je ne sais pas. But at least she's honest and it is really, really good. Alors, we've got different versions, it's really interesting. We'll continue to wait a little bit. Or if everybody's ready now. Okay. Bonjour, Drunken Boxing, join the exercise. Finzark is honest because it's written je sais pas. Alors, let's have a look. And it's de plus en plus. Voilà. Allez, the next one, generally. Alors, bonjour Abir, I hope you're good, please join the lesson, we've got the exercise going on. Alors, effectivement, la traduction directe de generally, c'est généralement. Faites attention, Svetlana, généralement, c'est avec un E, hein, généralement. The technique, Svetlana, to make the normally this type of adverbs, we go through the adjective. So you've got a masculine form, général, AL. Okay? After that, you put the feminine form, général, ALE. Okay? And it will be your stem, your root,
Because after that, you just add this ment. Généralement, this is the way you will make it, d'accord? So this is the reason why you definitely need to have your Très bien. Alors, largely and quickly, it's largement. On continue avec little by little. S'il vous plaît, c'est à vous. Alors, nous avons Aine qui est la première qui dit petit à petit. Alors, petit à petit, on pourrait l'accepter si vous voulez, mais c'est peu à peu hein, en général. On est en train de parler ici de forme adverbiale, mais petit à petit, je pourrais l'accepter effectivement. Quickly, comment est-ce que vous traduisez ça, s'il vous plaît? Alors c'est effectivement rapidement et c'est Omar, je pense, qui est le premier à nous avoir donné la bonne réponse. Félicitations Omar. Alors attendez, papillon. Ah, je dois afficher parce que sinon c'est bloqué. Voilà. Très bien. Donc c'était effectivement rapidement. Regardez le prochain adverbe et c'est easily. Comment est-ce que vous pourriez traduire easily? Oui, alors faites attention, Aine et Michel, faites attention parce que ici en fait, on nous parle effectivement, on nous demande des adverbes, je vous demande des adverbes, donc facilement, c'était la première possibilité. L'autre possibilité, ce serait d'utiliser sans difficulté aussi, hein, mais facilement, c'est très très bien, bravo. On continue avec No Doubt. Ashley qui aime bien la musique. Est-ce que c'est de la musique d'ascenseur? Alors effectivement, sans doute, attendez, je regarde, ça a l'air d'être bon, papillon, pas de doute, faites attention, ce serait plutôt sans doute, et surtout avec un E à la fin s'il vous plaît, Ashley, sans doute, ouais, faites attention, votre doute il ressemble un petit peu à un doute anglais ou anglophone, hein. Ça va être D-O-U-T-E, d'accord ? Émilie qui nous ajoute sans aucun doute, effectivement. Alors, c'est une option et c'est très très bien, Émilie. Merci beaucoup.
Alors, si vous remarquez un décalage entre vos réponses et les réponses des autres, c'est qu'il y a un petit décalage et qu'il faudrait peut-être rafraîchir. So refresh the stream if you can feel that there is a little delay between your answers and the others in the chat. OK? Alors, sans effort, je l'accepte, sans peine, c'est une autre possibilité, mais tout le monde veut aller sur sans effort, et pas de problème. Alors, Ashley nous dit, mes yeux viennent... Alors, faites attention, Ashley, on va utiliser la formule de s'ouvrir. Hein. Mes yeux viennent de s'ouvrir, effectivement. Cosmina nous propose aisément, sans difficulté. C'est très très bien, oui. Aisément, sans difficulté, sans peine, sans effort. Hein. Pas de problème, effectivement. C'est tout ça, c'est correct. Alors, attention, le prochain exercice. Trouvez trois mots, s'il vous plaît, qui sont liés à cette photo. Souvenez-vous, si vous mettez des substantifs, mettez l'article « un » ou « une ». OK, so try to find three words related to this picture. And if you put nouns, in that case, you should put the article just to know if it's masculine or feminine. Finzark, le fantôme. Merci Finzark. C'est mon petit plaisir maintenant. Ashley, faites comme moi, prenez du café, ça ira mieux. Alors, regardons ce que vous avez écrit. Mon Dieu, vous étiez rapide. J'étais juste allé, justement. Quand Ashley m'a écrit ça, je me suis dit, je vais aller me faire un café. Mais vous êtes trop rapide pour moi. Alors, donc Finzark nous dit finalement, après le fantôme, il nous dit le lac. Très bien. Le lac, l'édifice, la lumière. La nuit, le fleuve, la réflexion. Très bien, la réflexion avec un accent aigu, s'il vous plaît. La lumière, lumière, accent grave et E final. Le pont, le chat. Château, le lac, le bleu, oui effectivement Omar, bleu en général on va pas mettre d'article comme ça, mais si vous voulez on peut mettre l'article. Alors Salifou, faites attention quand vous dites les grandes maisons, comme maison vous mettez au pluriel avec un S s'il vous plaît, et grande vous allez mettre le féminin, G-R-A-N-D-E-S. Très bien, merci. Abir nous dit un palais, une réflexion, la mer. Très bien. Ensuite, Finzark nous dit bâtiment. Faites attention, Finzark, bâtiment, c'est masculin, le bâtiment. Alors ensuite, Émilie nous dit réflexion. Donc féminin, la réflexion, esthétique, c'est féminin aussi, l'esthétique. Et éclairé, donc ça c'est un adjectif. Très bien. Svetlana nous dit... l'eau, le ciel, la maison. C'est parfait, Svetlana. Alors, Finzark...
qui met les mots les uns après les autres. Le palêtre, eh bien, vous aviez déjà le bâtiment, c'est une répétition, monsieur ou madame. Alors, Pumero, l'eau, le bâtiment, le ciel. Bonjour Juan, participez à l'exercice s'il vous plaît. Maris nous dit la maison, d'accord. Sohail nous dit le lac, les arbres, le bâtiment, très bien. Alina nous dit le palais, le lac, la réflexion, c'est parfait. Cosmina, congé, détente, histoire. Vous n'avez pas mis les articles, Cosmina, c'est dommage. Chat, j'y arrive. Le lac, les arbres, le château, très bien. Ensuite, Yé nous dit lac bleu catholique, très bien. Le fleuve, un pont, la ville, très bien. Bon, écoutez, je ne pourrai pas tout lire parce qu'il y en a énormément, mais jusqu'à maintenant, tout va bien. Si je vois une erreur, je corrigerai ou je vous dirai de corriger. Tout est correct. Et maintenant, nous passons à quelques adverbes de temps. Et ça, c'est le premier. Voilà, j'ai eu le temps d'aller chercher ma tasse de café. Merci pour votre patience. Alors, regardons ce que vous m'avez proposé. Tous les temps, à tout temps, oui. À tout moment, à tout temps, ce serait acceptable aussi. Tous les temps, faites attention à Bir, c'est peut-être pas la meilleure solution. Est-ce que c'est tout? Personne d'autre n'a participé, je suis surpris. Alors regardons ça. Ça, normalement, c'est très très facile. Ah, très bien. Ashley veut préciser qu'il est anglophone et donc il qu'il ne prend pas de thé ou de café. Rien du tout. Waouh. C'est dommage. Alors, donc Ashley rapide puisqu'il nous dit que c'est aujourd'hui effectivement. Maintenant, tout le monde est d'accord. J'ai l'impression que ça y est. Tout le monde est là et tout le monde réagit. Effectivement, c'est aujourd'hui. Faites attention hein, pour l'écriture. Mais tout le monde maîtrise bien l'écriture d'aujourd'hui. Donc, c'est parfait. On continue avec « Already ». Alors faites attention Alina, Alina, aujourd'hui c'est avec un R, hein, J-O-U-R-D apostrophe. Alors,
On peut dire déjà, j'avais aussi envie d'introduire d'ores et déjà, qui est une autre possibilité, mais déjà c'était parfait effectivement, pas de problème. Faites attention, I just called, déjà vu, non, oui, vous avez retiré ça, alors from now on. Alors, nous avons Émilie qui nous propose à partir de maintenant, qui est tout à fait acceptable, c'est une très très bonne réponse. On a aussi cet adverbe qui est désormais, d'accord ? Désormais qui est synonyme finalement d'à partir de maintenant. Très bien, alors est-ce que ça continue ? Alors faites attention Alina, peut-être pas juste de maintenant, vous pourriez dire à partir de maintenant, ce serait tout à fait acceptable. Alors, je vois que personne ne réagit à ça. Est-ce que je suis trop rapide pour vous ? Yet, c'est encore. Alors faites attention, Salifou, peut-être pas alors, d'accord, mais plutôt encore. Allez, on continue avec le prochain. Finzar qui est honnête et qui nous dit j'ai oublié, voilà, c'est bien l'honnêteté. Mais l'avantage c'est que vous avez oublié, mais après vous allez l'apprendre et j'espère que vous notez tout le monde les nouveaux mots que vous découvrez parce que c'est un petit peu l'idée. So I hope that you write all the new words that you discover. Daily, alors, ouais, faites attention, daily, ce serait plutôt, alors, Svetlana nous dit tous les jours, on pourrait l'accepter, chaque jour, ce serait acceptable, toujours, plus ou moins, mais idéalement, j'aimerais bien quotidiennement, en fait, quotidiennement, c'est bien, journalier, nous propose Alina, et c'est très très bien aussi, pas de problème pour journalier, mais alors, ce serait un petit peu plus, ouais, journalier, c'est un adjectif, hein, faites attention. Alors, comme d'habitude, une photo et la question c'est à quoi pensez-vous en voyant cette photo ? C'est le thème de la journée. Vous avez une photo et dites-moi à quoi cette photo vous fait penser. So what do you think about, I mean when you see this picture, try to make me a sentence. Faites-moi une phrase s'il vous plaît. Ashley n'aimait pas mon quotidiennement apparemment. L'idée Ashley c'est d'introduire de nouveaux mots, c'est d'élargir votre horizon lexical.
Alors, ça y est, ça commence à arriver. Preta, bonjour Preta, nous dit c'est un grand bâtiment, d'accord, pas de problème. Alors, Preta, si vous voulez écrire parfaitement, vous pouvez, si vous voulez, traditionnellement, on met un circonflexe sur le A. Svetlana nous dit c'est une place pour business-travail. Alors faites attention, Svetlana. En général, en français, on n'utilise pas vraiment une place. Dans ce contexte, on va plutôt dire c'est un endroit ou c'est un lieu. D'accord ? Michel Rémy nous dit... oui, alors regardez Michel Rémy une seconde. Je vais être obligé de remonter parce que sinon ça avance trop vite. Michel, regardez, je vais essayer de retrouver. Dites plutôt c'est, hein. Il faut que vous mettiez un sujet. C'est une maison, une maison. Ici, ce serait plutôt des bâtiments, Michel, hein. Pour les riches. D'accord, L-E-S-R-I-C-H-E-S. Berilla nous dit, je pense que les bâtiments sont très hauts. Très bien Berilla, c'est parfaitement écrit. Omar nous dit, je pense à Lego. Alors faites attention, ouais. Si vous mettez la marque comme ça, dans ce cas-là, utilisez plutôt, je pense à la marque Lego, ou je pense au Lego, et dans ce cas-là, vous le mettez au pluriel, A-U-X. Et Lego, vous allez le mettre avec un S à la fin. Sohail nous dit, sur la photo, il y a beaucoup... Ouais, alors faites attention, Sohail, parce que beaucoup de... D'accord ? Donc ici, vous allez mettre des apostrophes. Il y a beaucoup d'immeubles. Faites attention pour le « il y a ». Mettez bien un espace, hein, put a space between the Y and the A. Hein. They're not in the same word. Salifu nous dit... Alors, Salifou, je vous ai perdu. Où êtes-vous, Salifou ? Salifou, Salifou, vous avez disparu. Alors, je continue et je vous retrouverai, Salifou, ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, il y avait, voilà, je vois. Salifou, je pense que cette ville est très belle, n'est-ce pas ? Remember when you want to say, the question, n'est-ce pas ? Apostrophe EST, like you did, and after that you should put the ce, CE. Alors ensuite, Émilie, je pense à Londres parce qu'il semble que la photo a été prise dans une ville très construite avec de grands immeubles. Parfait, Émilie. Sabina nous dit, il y a beaucoup, ouais, faites attention Sabina, quand on utilise la structure beaucoup de. Hein, beaucoup de, so even if it's plural after, hein, de grands immeubles. Très bien, merci Sabina. Yichi, le sky, skyscraper. Alors Yichi, non. Vous pouvez dire gratte-ciel si vous voulez, vous pouvez dire l'immeuble, d'accord. Mais sinon, ça c'est vraiment un anglicisme brutal quand même. Est élevé. Irène, bonjour, nous dit, je vois beaucoup de grands bâtiments. Alors, Irène, c'est presque parfait. Grand, vous devez le mettre au pluriel et bâtiment au pluriel aussi. S et S. Aîné Winifred nous dit, je pense que c'est un centre commercial. C'est très très bien écrit. Alors, H-Bird nous dit, les gratte-ciels qui ont ruiné la planète. Très bien. Ensuite, alors attendez. Alina nous dit, je pense que la saison est l'été. D'accord, très bien, vous pouvez dire, je pense que c'est en été, si vous voulez aussi, c'était parfait. Michel, je pense au quartier de la Défense à Paris. Oui, faites attention, Défense, c'est avec un S, Michel, c'est pas avec un C. Et d'ailleurs, j'ai habité quelques années dans le quartier de la Défense, et c'est vrai que ça y fait penser un petit peu. Il paraît que la ville, il apparaît comme la ville de Tokyo où j'ai vécu, d'accord. Oui, apparaître, faites attention, on pourrait utiliser ressembler, ça ressemble à, hein, ça ressemble à la ville de Tokyo où j'ai vécu, très bien. Preta pour bâtiment, parfait. Michel la Défense, ah vous aviez corrigé, merci Ashley, il est évident d'après la photo que le capitalisme est en train de conquérir le monde. Alors, des déclarations très fortes de Ashley ce matin. Maris nous dit, je pense que le... Ouais, faites attention Maris, bâtiment c'est masculin. Le bâtiment... Ah,
Oui, je ne sais pas ce que voulait dire Maris, le bâtiment de Les Paris. Est-ce que vous voulez dire je pense que les bâtiments sont de Paris à Paris? Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire Maris. I just called, je pense, Pense, que cette ville, hein, je pense que cette ville est très moderne. Michel, donc il pense au quartier de la Défense, oui, moi aussi. Cosmina, je pense au président Trump parce que cette tour ressemble à Trump Tower. Pas vraiment, je ne sais pas laquelle, Cosmina, vous regardez, si c'est la tour qui est noire dans le fond, elle n'est pas vraiment comme ça, mais elle y ressemble, c'est vrai. Toutes les tours se ressemblent, Cosmina. Finzark, cet lieu pour habiter. Ouais, Finzark, il faudrait faire une phrase. You should make a sentence like, c'est un lieu pour habiter. D'accord, par exemple. Merci beaucoup, nous continuons avec l'exercice et nous allons voir quelques mots en. Bah des mots qu'on utilise en général quand on parle et qui sont en général du langage un peu informel. Alors, on y va. Comment est-ce qu'on pourrait dire ce mot-là en français informel? Alors attention, attention, on ne parle pas. Alors un livre, c'est ce qu'on utilise normalement, mais là l'idée, chers amis, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait le dire quand ce n'est pas une situation formelle. So I told you that we've got different context, and in that case, the context is totally informal. So how do we use this? Un livre, but I mean, how can we use another word to say un livre? So it's just to introduce some informal words. Voilà, Michel est le premier à avoir trouvé effectivement le bon mot. C'est un bouquin. Émilie, un ouvrage, c'est un petit peu trop formel. Faites attention ici, c'est un bouquin. Un bouquin, effectivement, c'est ce qu'on va utiliser quand on parle d'un livre. Regardez le suivant. Alors, les gens commencent à me proposer une voiture. Alors, une casse, non, une caisse, ce serait acceptable. Sinon, on pourrait dire aussi une bagnole. C'est ce qu'on utilise ici. Ashley, une jalopie, je ne connais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ce serait en Suisse? Ça, mais je ne pense pas, non. Jamais entendu jalopie, je dois dire. Alors, les gens me proposent un véhicule automobile, Berilla. Ouais. But in that case, I'm really expecting you to give me some informal words. So, once again, I'm giving you these words, but then be aware that you're not supposed to use them in all the situations. These are words that you can use when the situation is extremely informal. D'accord? Alors, le prochain, c'est. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer pour ça? Et je crois que j'ai envie de mettre un peu de musique classique. On va regarder ça.
Alors, là vous me proposez chez moi. Chez... Alors une maison, oui, c'est une maison. Nous sommes d'accord qu'une maison, c'est la forme tout à fait normale. Mais là, je ne vous demande pas. Alors un chez... Non, 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 non. Regardez, je vous donne la solution. C'est ce qu'on appelle une baraque. Et voici le mot suivant. Essayez de trouver, s'il vous plaît. Émilie nous avait proposé un foyer pour le mot précédent. Effectivement, un foyer, c'était une option, mais c'est pas vraiment, c'est assez standard finalement. Alors, nous avons ici, pour celui-là, effectivement, Ashley connaissait, Meron aussi, Cosmina aussi, Anne connaissait, Finzar connaissait. L'idée, hein, nous sommes d'accord, Michel, métier, Maris, profession, emploi, Yichi, c'est tout à fait correct, hein, on est d'accord. Hein. So you're giving some totally correct words, but then they're, standard and normal words. Hein. In that case, we're trying to get some informal words. So once again, be careful, don't use these words in all the context. Finzark, you're doing a nice job because Finzark Zark is writing all the list. Merci beaucoup. It's really great. It's a great idea. Thank you very much. Allez, on continue avec ce mot-là, s'il vous plaît. Alors, Salifu is asking for the Zoom classes. It will be today and it's at 4 Paris time. So you can join. You've got the link on the community page on YouTube. So it will be, it's possible to join. And normally, but I guess I forgot, normally I'm putting the videos on YouTube after because I'm asking people not to show their video during the lesson. Alors, une entreprise, oui, c'était correct, effectivement, une entreprise, mais c'est standard, hein, une entreprise. Ici, on parle d'une boîte. Une boîte, on l'utilise pour une entreprise, pour le travail, l'endroit où vous travaillez. Voilà, la suivante. Alors, Miguel nous dit bonjour, bonjour Miguel Andrade, please join the class. Alors effectivement, Ashley avait raison parce que la nourriture hein, que Rebelle nous propose, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, effectivement c'est du standard, Meron aussi a nourriture, mais en général, donc on parle effectivement de bouffe. Alina,
Alina, vous avez mis un mot qui a été bloqué par YouTube, pour votre information. Alors, on continue avec ça. Alors, vous proposez argent, nous sommes d'accord, mais alors effectivement, donc Cosmina arrive avec le fric. Regardez, 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 nous avons effectivement la même chose. Alors, il y a beaucoup de possibilités, hein. Quand on parle d'argent, il y a beaucoup de mots. Fric, c'est une sorte de mot que vous pouvez entendre assez couramment. So, you can hear this one quite often. Same thing, remember when to use it and when not to use it. If it's a formal situation, don't use this word. Voici le prochain. Alors, Preta qui aime bien mon travail, merci beaucoup Preta, s'il vous plaît, participez. Et nous remercions tous Finzark qui fait la liste. Merci beaucoup Finzark. Ouais. Alors effectivement, hein, effectivement un mec, hein, c'est quelque chose d'assez standard. Un gars, Ashley pourrait nous dire. Ouais, faites attention, Ashley, un gars, c'est G-A-R-S. Hein. Vous avez un S à la fin qu'on ne prononce pas, mais c'est, il n'y a pas de problème, effectivement. Allez, on continue. Alors, Cosmina est encore une fois la première, et félicitations Cosmina, parce qu'effectivement, c'est un gamin. En général, on va utiliser ça, un gars, si vous voulez, oui, un gars. Garçon, c'est assez standard finalement, Jean-Michel. Petit, pas vraiment Michel. Michel propose petit, mais petit, c'est plutôt un adjectif finalement, d'accord. Un homme, alors Miguel doit être... Miguel, you must be... there is a delay, I guess, in your stream. You can refresh, because I guess you are answering to another thing. Meron, un enfant, c'est standard aussi. Hein. Gamin, c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Regardez maintenant, comment diriez-vous ça? Ashley proposait aussi un gosse pour gamin. Oui, c'est tout à fait acceptable. C'est la même chose, hein. C'est du français parlé, donc faites attention vraiment en fonction du contexte, mais c'est possible, oui. «
Alors là, plusieurs possibilités. Michel nous propose un machin, c'est tout à fait acceptable, un machin, un truc, hein, c'est une possibilité, une chose, ce serait quelque chose d'assez standard, on est d'accord, truc ou machin, c'est tout à fait ce que nous cherchions. Alors, manger, c'est standard. Manger, c'est du français standard. Là, on a envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus olé olé. Alors, effectivement, ça commence à arriver. Le grand classique en français, c'est d'utiliser le verbe bouffer. Faites attention, toujours attention au contexte avec qui vous parlez, mais si c'est vraiment, vraiment informel, bouffer est tout à fait acceptable. Alors, Ice Cubes propose travailler, mais travailler c'est un petit peu standard finalement. Malena nous propose travailler aussi. Alina nous propose boulotter. Je l'ai entendu une fois, mais c'est rare. Le verbe en général qu'on va utiliser, c'est plutôt le verbe bosser. Et souvent, ces verbes, finalement, sont des verbes du premier groupe et c'est facile à conjuguer. Je bosse, tu bosses, il bosse, nous bossons, vous bossez, il bosse. Regardons le suivant. Alors, regardons un petit peu. Le verbe, en fait, c'est un verbe qui est pronominal et c'est se marrer. Verbe régulier également. Alina qui propose hennir comme les chevaux. Non. Le verbe se marrer, rire, c'est du français standard. Rigoler, ouais, Cosmina, j'accepte rigoler. Bill aussi nous propose rigoler, c'est très très bien, ouais. Souvenez-vous de se marrer. Se marrer, donc quand vous allez le conjuguer, vous êtes obligé de le conjuguer comme tous les verbes pronominaux, c'est-à-dire je me marre, tu te marres, il se marre, elle se marre, nous nous marrons, vous vous marrez, il se marre, elle se marre. Voilà, c'est la fin de notre cours pour le moment. Merci beaucoup pour votre patience. C'était très 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 sympathique. Je vous propose, si ça vous intéresse, de faire une toute petite pause pour prendre un café. Merci Finzark. Finzark nous a fait la liste de tous les mots que nous avons vus
Et c'est très très gentil. Merci à vous, Finzark. Donc je fais une pause peut-être de 15 minutes pour prendre un café, respirer, et je ferai un cours juste après. Si vous voulez participer, je serai là dans 15 minutes approximativement, si la technique fonctionne. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très 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 agréable. Et à tout à l'heure, si ça vous intéresse, je serai là.